Salut. Donc j'ai jeté un petit peu un gros boulet. Pour m'excuser, je vais aller faire une statuette. Non, je rigole. En fait, j'ai un boulet parce que c'est tout con pour les étagères. Tac. En fait, maintenant qu'on a les bracelets de force, on a plus de force en maniche en fait. Et du coup, on pouvait pousser les étagères hein, là. Voilà. C'était tout con. Il fallait y penser. À tous les coups, c'était marqué quand j'ai eu le bracelet de force que je devrais avoir plus de force en maniche. Putain. On va dire maniche. Parce que déjà que j'arrive pas à parler, alors si en plus je dois faire. Je dois prononcer ça pas en français. Donc voilà, là il faut enlever toute la poussière qu'on trouve. Et pour faire tomber le livre, il faut se dédoubler. Sinon on n'a pas assez de poids. Ce qui veut dire que l'espèce de double de Link a du poids. Bon, ce qui est un peu chelou, mais pourquoi pas. Faut faire vite, hein. Parce que sinon, vous voyez, il disparaît juste avant. On a pile assez de temps. Voilà, donc là, après, il y a juste à partir et à revenir en grand. Du coup, je sais comment avoir le. La bourse encore plus grande, parce qu'en fait j'ai déjà une grande bourse, parce que je peux avoir 500 rubis. Mais il y a une encore plus grande bourse, et c'est bon, je sais comment faire maintenant. Donc on va prendre ce livre. Qu'est-ce qu'elle dit? Même c'est un op en fait, il a une moustache. Enfoiré. Du coup là c'est un peu chiant pour partir, donc on va utiliser l'ocarina. Ça sera plus rapide pour aller à la bibliothèque. C'est un peu n'importe quoi. On invoque un oiseau pour faire 100 mètres. Voilà. Oups. J'allais parler au grand-père. Essayer de faire. J'imite bien le grand-père. Il y a un petit secret aussi. Qui nous permettre d'avoir un flacon. Ouais, donc c'est le maire hein, qui a le truc suivant. Alors, dégage, putain, c'est incroyable ça. Alors, il y avait un truc. Je vais faire quoi? Je crois qu'il y a un truc ici. Non. C'était quoi déjà? Mais putain. Seulement enlever cette ocarina. Voilà, c'est bon. Voilà, pas ce qu'il faut. Il y a plein d'assemblages à faire ici. Mais j'ai plus trop de fragments, c'est un peu chiant. Je devrais aller à la boulangerie. Il n'y avait pas un moyen de faire tomber un truc ici. Oh bah je fumais alors. Eh mais je peux pousser ça. Ouais, ça sert à rien. Ah bah si. Ça va, tranquille. J'avais pas trop l'impression de voler les gens. C'est un peu comme des lutins qui volent des trucs. Voilà, je suis plus trop en mode humour parce que si vous voulez, cette vidéo je l'ai déjà faite quasi en entier. Et je me suis paumé comme un attardé alors que c'était tout con. Et du coup là j'ai un peu la rage. Donc voilà. Y'a quoi à faire ici? Ah, des coquillages, cool. Du coup, je vais pas aller refaire les mêmes blagues que ma prochaine précédente vidéo. Pourtant, j'étais très drôle, c'était une vidéo parfaite. C'est dommage que vous ayez loupé ça. Non, je rigole. Du coup.
Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça que je vais faire. Voilà, on a un flacon de pâté. On va aller dans le lac. Voilà, donc ça c'est un moyen d'art, un flacon. Et un autre moyen, on va pas le faire tout de suite. On va y aller à la bourre, hein. On va pas s'emmerder avec les monstres. Je l'ai fait exprès. Ça va plus vite. Comme ça je peux le faire depuis le début en fait, je suis con. Bon, c'est pas grave. Je suis un peu un bouffon quand même. Du coup ça c'est fait. Ouais, du coup je sais plus ce que j'ai fait à la vidéo précédente et qu'est-ce que j'ai fait à cette vidéo. Parce que j'ai refait le truc déjà. Non, ça c'est déjà fait en vrai. Ok. Donc maintenant on va aller voir le maire puisque c'est lui qui a le dernier livre. Ah cool. C'est cool parce que c'est un fragment que j'ai déjà en 5 fois. Donc ça m'intéresse. C'est où ça? Bateau de Bel Air. Ça marche. On va aller à la boulangerie. Je sais pas quoi prendre. La tarte. Salope, pardon. On va prendre la brioche. Ah non, c'est un peu volé, ok. Mais c'est des salauds. Ah, la croissant, y'a un truc. Quoi? Bon bah le sandwich alors. Ah, quand même. J'ai eu peur. Ok. D'ailleurs, ouais, je crois que je vais venir ici en manif aussi. Ok, c'est parti. Donc, on va aller voir le maire. Qui se trouve là. Pourquoi il me parle pas du livre ? Attends, il me parle pas du livre parce que je suis un gros bouffon. Mais je suis un boulet ou quoi? J'ai oublié de demander pour le livre d'après. Ah, c'est le maire. Oh, incroyable, je savais pas. Ok. Ok, c'est bon. Donc le prochain livre, c'est le maire. Donc cette vidéo sera un petit peu plus organisée que la précédente. Vu que j'ai déjà essayé de la faire. Oh, attendez, j'ai oublié un truc. On va foncer pile entre les deux masques pour faire tomber deux en même temps, comme ça. Ok. En vrai, les seuls persos utiles dans ce jeu, c'est les maniches en fait. Mais je suis complète. Je suis le roi des enculés. Hein. Pardon. Je deviens extrêmement vulgaire. Et c'est parce que ça commence à me saouler de faire de la merde en fait. Parce que là vous voyez pas, mais. J'ai passé une demi-heure à faire n'importe quoi dans la vidéo. Première tentative. J'ai oublié de parler au maire encore. Voilà, donc ce fragment, enfin cet assemblage est très très important. Voilà, ce sera la ferme Lonlon. Et en fait, ça permet d'avoir l'augmentation de la bourse, la dernière augmentation de la bourse. Du coup, je vais devoir refaire ce que j'ai déjà fait.
Ah, je suis tellement pressé que j'oublie de faire des trucs. Ah, ils me suivent. Putain, c'est comme des chats. Ouais, ils suivent pas très bien. Voilà, il a oublié la cabane du lac. Ah, elle est dans le lac. Incroyable. Et du coup... C'est vrai que c'est des jeux où si tu déclenches pas, t'as pas le dialogue qui déclenche le truc, t'es niqué quoi. C'est un peu comme si on parle pas au maniche qui nous dit que la bibliothèque ouvre bientôt, ben y a un mec qui bloque la bibliothèque quoi. C'est un peu chiant mais ça marche comme ça. Là ça sert à rien d'y aller pour l'instant parce qu'on peut pas encore faire ce qu'il faut. Et on va aller du coup voir le notre grand-père. C'est optionnel hein. Vous allez voir pourquoi. Est-ce que je peux faire une roulade et lac blam et le taper en même temps? Non je peux pas. J'essaie de faire une roulade de côté et tout mais ça a pas marché. Ma chambre quoi. C'est vrai qu'il peut faire un bon bonnet de nuit. Alors. C'est lui, il peut aider lui. Il donne des indices. Alors. Colline de l'Est, ok. Ça nous servir aussi. Je sais pas s'il fait un commentaire. Ah ouais. N'importe quoi. Bon. Cette fois, on va y arriver. Alors, j'aimerais aller à la ferme Lonlon d'abord. Ferme Lonlon, l'Equilia. C'est là, hein. Ouais. Je vais y aller à pied, je pense. Je sais pas si j'étais allé là ou pas, hein. Ouais. C'est un quart de cœur, je suppose. Ouais, y'a Tingle! Qu'est-ce qu'il fout là? En fait, ce jeu, y'a tellement de trucs à faire que c'est compliqué de s'organiser. Ah, dis-moi que je l'ai. Oh merde. C'est dommage, parce que vu que c'est Tingle, ça doit être un truc pas mal. Du coup, on va aller à la ferme Lonlon. Colline de l'Est. Ah, bon. Hop. Voilà, ça c'était l'assemblage avec notre grand-père. Et pour la ferme Lonlon. On va y aller. La ferme Lonlon, c'était l'assemblage avec le maire. Voilà, maintenant on aura plus de problème si on prend des rubis. La première fois que j'ai fait la vidéo, j'ai récupéré 400 rubis dans des coffres alors que j'étais à fond parce que j'avais pas la grande bourse. J'avais un peu la haine après. Ok. Donc faut passer par là. Hein. Voilà. Attendez, il y a un quart de cœur aussi que j'ai loupé. Je suis en mode pacifiste, là je tue aucun ennemi. Oh, ça fait quoi au fait de si je fais ça? Rien. Ah bah si, je l'ai tué, merde alors. J'ai pas fait exprès. Alors, si on va en haut là, on a Sirup, la sorcière. Qui nous donne. Enfin, qui nous vend des trucs pour nos flacons. Pour l'instant, on s'en fout. On va creuser. J'en étais sûr. Ah non. Non mais Ruby, à l'aide. Je me fais violer. Au viol.
Putain, mais pourquoi il retombe dedans directement? C'est quoi cette arnaque? Ah, c'est bon. Le pire, c'est que je savais que c'était un monstre. Là, pour y aller, faut passer par ailleurs. On va pas y aller, on s'en fout. C'est que des coffres qui contiennent un fragment et des rubis, je crois. Putain. Ok. C'était pas le bon chemin. J'aime bien, c'est assez original les objets de Zelda. Griffe de taupe, c'est cool. Tac. Oh, un cœur de cœur. Donc on va aller là. Ok, et du coup qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, donc ça veut dire qu'il faut foncer quelque part, donc on va foncer partout. Genre là. Donnez putain de... putain de livre de merde. Bon bah c'est pas là. Donc c'est dehors. Ça veut dire que dehors faut foncer. Ouais, ok. Ah, ça fait du bien de rejouer à ce Zelda après si longtemps. As-tu vu les quenouilles? Je sais pas si vous connaissez ça, c'est une vidéo sur internet. As-tu vu les quenouilles? Je cherchais super quenouilles, je crois, sur YouTube. Ok. Et... on est pas trop avancé là en fait. Ah si, ouais, d'accord. Il y avait une échelle cachée. Enfin ce putain de dernier livre. Il faut faire le chemin inverse. Bon. Ah non. Je croyais qu'en chargé ça irait plus vite. Oh putain. Vite. Non. Ah ouais, ça marche. Ok. Bah voilà, enfin on va y arriver. Sauf que là je sens que j'aurai une peine de courant et mon ordi va s'éteindre. Parce que c'est trop beau là. Cette vidéo se passe trop facilement, je trouve. Tout sur les masques. Du coup... alors attendez, est-ce que j'ai récupéré... ouais c'est bon, j'ai récupéré le flacon. Non ! Merde. Fallait pas faire ça. Non, c'est pas grave, on le fait après. Fallait vider la pâtée du chien, c'était ici. Allez-vous aller ici? Ah, mais attendez, j'ai une idée. On va d'abord aller les... Non, non, ouais, je vais d'abord aller là. Je me disais, j'allais d'abord aller à la forêt de Tiloria, aller chercher les coffres. Mais en fait, non, je vais d'abord aller là. Comme ça c'est fait. N'importe quoi. Jamais dans l'abus. Allez, on va aller au truc. On va aller en haut. Enfin, on va voir ce Bukuta. Je pense que c'est un vieux mine niche. Imaginez, il aurait mis un livre dans l'autre sens. On n'aurait pas pu monter quoi. C'est un peu con. Ah, je passe à travers le décor. Et là, il est mort de faim. J'ai pas pu sortir d'ici depuis 15 jours. Salut. Merde, j'ai oublié de faire le... pas grave, j'aurais dû faire l'assemblage de fragments avant.
Voilà, donc on a un mini donjon. Hein. Allez. Non, c'est pas ça. Vite. Heureusement que c'est des limaces. Ah, c'est quoi ce truc? Que j'ai compris la technique. La tactique du haut couteau de cuisine. Et là je meurs. Voilà. On a les palmes, enfin. Les palmes qui sont assez cool dans ce jeu, ça va très vite. Ça fait un bruit très bizarre, mais ça va vite. Enfin, ça on peut pas encore le faire. Donc ça c'est pour retourner au début. Voilà, voilà. Du coup, hop. Flacon de pâté. Ah, faut juste faire comme ça. Ah oui, voilà. Voilà, on a un flacon. Ensuite, on va faire un petit tour à la forêt de Tiloria, histoire d'avoir un peu d'argent. En fait, on a débloqué pas mal de trucs grâce aux assemblages ici. Voilà, j'attendais derrière la grande bourse. Merde. Alors, je suis où? Ah mince, j'ai oublié un truc là-bas. C'est pas grave. Ok. Normalement, il devrait y avoir un truc ici. Voilà. On va faire un truc aussi. Ça marche pas? Ah tiens, y'a un truc ici. Il me semblait que en fonçant avec.
Ah, quand même. Comme ça, on peut même se récupérer plusieurs fées, comme ça. Il me manque un peu d'argent pour ce que je voulais faire. Non, là, par ici, on va pas encore y aller. De toute façon, après le donjon, il y aura plein de trucs à faire grâce aux nouvelles palmes. On va aller là. Merde. Parfait. C'est ce que je voulais. Putain, si ça c'est pas une vidéo organisée, je sais pas ce que c'est. Grâce à ces 600 rubis, on va aller... J'ai pas fait de la faire deux fois cette vidéo. On va aller là. On va prendre... on va aller chez le marchand. Ici, ça sert à rien d'y aller pour l'instant. Enfin, pas grand chose. C'est où le marchand déjà? C'est ici, hein. Ouais. Ta gueule. Voilà, le grand carquois. Ensuite... Donc là on est au donjon, hein. Enfin, on y est presque. Mais ce qui est fou, Link. Putain, Link, tu me fais quoi là? Allez, monte. Quand on peut pas? Quand on veut pas. Ah non. Ah mais non, faut... Hein? Ah merde, faut sauter par-dessus les trucs. Ah bon, ok. Bon, tant pis. Bon bah du coup, ça sera pour plus tard, ça. Et en attendant... il faut que j'arrive quand même... Putain, comment on y va au truc? Je suis bloqué pour aller au donjon maintenant, c'est la meilleure quoi. Je pense qu'il faut passer par l'autre côté, sans mauvais jeu de mots bien entendu. Du coup, on doit refaire tout le tour comme ça. Non. Il va me faire chier jusqu'au bout ce putain d'oiseau. J'arrête d'appuyer. Non. Fumé ou quoi? Faut vraiment que j'arrête d'appuyer sur cette touche. Mais comment on y va? C'est pas possible. Je suis un handicapé. Ouais, faut passer par là, ok. Putain, mais c'est pas d'où je viens. Oh, eh, mais je suis un bouffon en fait. J'avais besoin de faire ça. Oh mais putain de merde, c'est pas possible. Mais je vais devenir fou. Alors attendez. Un handicapé. C'est en bas là qu'il faut aller. Mais si, mais comment on y va? Mais c'est pas possible. Je suis fou quoi là. C'est par là. C'est par en haut là. C'est pas par là. Non mais c'est ça, c'est la bonne direction là. Non là c'est chez Syrup ça.
c'est par là, c'est par là. Je vais y arriver, je vais y arriver. Au pire, hein, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Hein. Ouais, faut passer par la droite. Mais du coup, faut arriver par en bas. Ouais, c'est ça, faut que j'arrive par en bas. Faut que j'arrive par là, du coup. Ah ouais, ok. Ah, c'est des vicieux quand même. Ils te mettent le truc juste à côté, donc tu crois que tu peux l'atteindre, mais en fait non. En fait, j'aurais dû prendre le quart de cœur là à la fin. Ah, ma vidéo était pas si bien organisée que ça. Bon, ensuite, à la fin, allez là. Donc, je pense que c'est ici qu'il faut aller. Ok, bon. Du coup, faut que je me remette en maniche, c'est ça? Je suppose. Ça me paraît bizarre quand même, ça me paraît un peu compliqué là. Est-ce que le maniche peut passer par là? Non. Bon, écoutez, ça fait chier. On va arrêter là et on se retrouve devant le donjon pour la prochaine vidéo. Et puis je vous dirai comment j'ai fait, mais c'est bizarre. Soit je suis très con, faut arriver par en bas là, je vois pas d'autre solution. Ouais. Bah soit je suis débile. Putain, mais je suis, oui, je suis complètement con, un gros attardé mental en fait. Faut, c'est la même chose que pour aller à la cabane en fait. Putain, j'avais fait comment? Mais oui, oh là là. Ça y est, je me souviens. J'ai un problème, hein, je crois. Ah, mais je suis là! Putain. Putain, la vidéo de 100 ans, quoi. Je suis désolé pour cette vidéo. C'est vraiment de la merde. Non, non, pas par là. Non mais je vais arrêter là, mais bon, vous avez compris, c'est comme pour aller à la cabane. Passer par là en bas, aller à la cabane et remonter. À la cabane elle est là, on remonte dans l'eau et on arrive au donjon quoi. Je vais arrêter là sinon la vidéo va durer trop longtemps, elle est déjà un peu trop longue. Et je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez apprécié, on a quand même eu deux flacons. Le grand carquois, la grande bourse. Et puis on est arrivé au donjon donc ça va, j'ai quand même fait des trucs pour une fois. Et donc on va se retrouver à la prochaine vidéo pour le prochain donjon. Salut !